Maxime. Ça va ? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui là ? On est où là ? Aujourd'hui là, on est à Vers-Saint-Denis, première compétition de force athlétique développée. Donc là, je suis en train de me chauffer. Je vais faire 5 minutes de vélo. Après, je vais faire des échauffements légers au coucher. Et ensuite, là, je vise 130 kg pour me qualifier au championnat de France. Maxime, aujourd'hui, il faut qu'il se qualifie pour les championnats de France junior, début juin à Béthune. D'accord, donc il faut qu'il fasse une barre à combien ? 127-500. C'est sa barre de qualif, donc on va le faire partir à 130. C'est une barre qu'il a déjà fait, il a fait 140 au départemental, donc pour lui, 130, c'est tranquille. Après, on verra comment il sera, si on va chercher un peu une barre au-dessus pour le tester. Pour les France, pour qu'il marque son territoire un peu par rapport aux autres. Comme ça, les autres vont voir quand même, il y a un adversaire potentiel. S'il reste sur 130, ils vont pas trop le cogiter. Donc après avoir. Maxime, déjà, il a un physique hors norme déjà à la base. Déjà, à 20 ans, la masse musculaire qu'il a, donc il est déjà hors norme. Donc il a tout pour lui. Maintenant, il faut qu'il travaille technique. Et avec la technique, il va très vite progresser. Quoi. Musculairement, il est là. Donc il a l'info, il a tout. Et judoka, je crois, à un bon, très bon niveau. Donc voilà, il y a juste à peaufiner sa technique pour que, pour qu'il excelle dans le sport. Ça, c'est votre travail. Voilà, c'est mon boulot. La dernière marche passe en 10 ici. Il n'en fera qu'une. 20 kilos d'écart. 130, c'est facile. On peut bien chauffer. De la vitesse, vous voyez l'influx. Donc là, on va passer à. On va faire 100 et 110. Non, c'est 110. Bon. C'est une barre que tu maîtrises facilement. Vraiment, tu maîtrises, tu te concentres sur le signe. Bien concentré. Hein. On verrouille tout au bout de plus. Attends. Ça s'est bien passé apparemment. Très bien, nickel, ça monte tout seul, techniquement, il a appliqué les consignes. Donc, d'accord. Donc la prochaine barre, c'est vous qui décidez comment ça se passe. C'est par rapport à lui comment il se sent sous la barre déjà. Bon là il est qualifié pour les championnats de France déjà, quand il arrive. C'est bien. Maintenant il y a un match avec un autre athlète d'un autre club, donc on va essayer de faire gagner quoi. Ça glisse sur le banc. C'est quoi ça ? La magnésie. Il ne faut pas qu'il glisse comme les bancs sont en sky. Ils font le glisser, mais ça approche après toi.
pas du tout. Bah, parce qu'il n'a pas attendu le signal en bas, donc il a bien fait de pas la pousser, il ne faut pas se fatiguer, parce qu'il n'a pas attendu la claque en bas. Donc là, l'idée, c'est qu'il faudra qu'il donne son maximum pour le troisième. On va compter 145. Vas-y, vas-y. Il ah, faut que tu le refasses là. Il n'est pas obligé de faire la même barre, on peut changer. Mais ça sera toujours son deuxième essai. Non, ça sera ton troisième essai. Putain. Là, il a fait zéro. Oh objectif atteint aujourd'hui pour Maxime. Bah, Maxime déjà il a battu son record. Déjà il a fait 145 alors que la dernière fois il avait fait 140. Il est qualifié pour les championnats de France. Il est troisième au niveau régional, mais c'est vrai qu'on a quand même le champion de France qui était là, qui a fait 170 au coucher, mais qui est très très fort. Après bah, les championnats de France c'est dans 5 mois quasiment. Donc ce sera une autre histoire. La première place va être très très dure à avoir. Et après le podium, voilà. Donc, Maxime lui, au moins il doit valoir 155 à peu près. En ce moment 150 devait passer. Pour les France, 155 ça serait bien. Plus, après, ça dépendra de son entraînement, de la technique qu'il va améliorer. Et voilà quoi.